Je vais aller au plus près de la tornade. Ouais, attends, viens, on va au cœur. Je commence à être proche, hein. Vitesse du vent, c'est 40 km/h. Oh, c'est pas beaucoup les tornades, hein, dis donc. Oh, ma voiture commence à se déplacer toute seule. C'est pas grave, c'est bon signe, ça veut dire que tu te rapproches. Allez, je vais porter mes couilles. Mais t'es où, toi? Tu me regardes de loin? Oui, oui, c'est pour voir si tout fonctionne. Okay, fais pas gaffe à moi. Je sens le cœur. Wow! Wow! Quoi? Damien! Oh putain! J'ai vu ta balle! J'ai vu ta balle! Je suis pas mort! Wow! 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 Qu'est-ce qui passe? Attends, il faut que je prenne une photo! Oh, oh la vache! Oh la vache! Ah, je suis mort! Bonsoir et bienvenue en cette merveilleuse soirée du 14 juillet pour cette fameuse rencontre entre l'Algérie et le Sénégal, le pays d'Afrique adverse. En même temps, c'est que des pays d'Afrique, donc bon. On n'a plus besoin de présenter. Ah oui, oui, oui. Bien connu, oui, oui, avec les joueurs là de couleurs. Hein. Les fameux, vous savez, tu sais, on te rend le visage comme ça. Les. Oui, je vois très bien là, la main qui va de haut en bas là très vite. Oui, vous savez, les. Ah oui, voilà, les nigériens. Alors, on va jouer à Storm Chaser. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu où on va chasser des grenades. On sait pas encore si le jeu est bien foutu, s'il est moche ou s'il est beau. Et si on peut y jouer à deux, mais je pense que oui, puisqu'il y a un mode online. Mais le jeu n'a pas eu la prétention de mettre en bêta. T'as fait un AVC? Tu t'as vu que t'as fait un AVC ou pas? Quoi? À un moment, t'as voulu dire tornade et t'as dit grenade. Et donc, je pense que t'as fait un mini AVC, ce qui est pas grave, hein, c'est bénin. Mais attends, je pense que. Dit grenade? Ouais. Et je pense que c'est rien de grave, ça arrive à tout le monde. Attends, c'est vrai, les gens me disent si c'est des grenades. Parce que t'as bien dit, tu vois, t'as bien dit grenade. Et du coup, j'étais là, genre, ah putain, c'est marrant, mais. Voilà. J'ai dit grenade. Ouais, c'était vachement drôle. C'était genre parfait, tu vois. Tu l'as parfaitement dit et tout. J'ai trouvé ça. C'est horrible parce que j'ai l'impression que si je vais sur Google, c'est l'un des premiers symptômes qu'il doit y avoir, c'est des maladies graves, tu vois. Ah, mais vous dites grenade à la place de tornade, par exemple. Non, mais je suis sûr que si tu confonds des mots avec ton cerveau, c'est un truc. Ben oui, mais c'est ceux qui font des AVC. Je crois que oui, c'est les AVC. Parce que je connaissais quelqu'un qui avait dit des petits trucs comme ça un après, mais oui, il y avait eu un mini AVC. Mais ouais, attends, mais ouais. Oh, et finalement, rien de grave. Attends, hein. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai pas fait de sport comme d'hab, j'ai mangé mal, nickel. Bah, tout va bien dans ce cas, je vois pas ce qui peut mal se passer. C'est bizarre. Un petit coup de chaud. Si dans le live je redis des mots à la place d'autres mots. Hey, écoutez bien, sinon on va falloir aller consulter le médecin. Ah bah, au moins ils sont gentils, ils font un mini-jeu le temps que tu trouves d'autres joueurs. Bah, écoute, je t'attends. A few moments later. Cool, donc ça veut dire qu'on est vraiment que deux sur ce jeu. Donc, si des abonnés. Après, on rappelle à certains abonnés qui auraient de l'argent de poche que vous pouvez télécharger le jeu, l'acheter, je vous le faire rembourser sur Steam si vous y jouez moins de 2 heures. Ce qui va être probablement le cas, hein, parce que cacher, petite astuce, belle voilà. Quelle belle influence. Non, bah justement, mec, je suis en train de penser à l'argent des abonnés. Les devs en PLS. En fait, on va jouer à ce jeu-là finalement, au lieu de chasser des tornades. Bah ouais, on peut faire un 1v1 où chacun a son score. Bon, ouais, y'a pas un abonné qui va rejoindre là, gros. Y'a juste à faire play online 2v2. Mais Damien, en fait, ça t'énerve. Mais tu sais ce qui est bien en fait, c'est que ces gens-là, en fait, pourquoi ils achètent pas le jeu? Car ils gardent tout cet argent pour acheter un délicieux vêtement Wankill sur Wankill.fr. Ah, oui, voilà, c'est ça le site web. En plus, il me semble que c'est pas beaucoup mis en avant, mais il y a des stickers offerts et pas des stickers de merde qui coûtent 10 centimes. Là, on parle bien de stickers chromés et c'est gratuit sticker, en plus. Chromé, Wankill, sticker Link et Terracid. Ouais, il me semble qu'en plus, quand tu commandes plus de 2 articles dans ta commande, ben, t'as un sticker Wankill Link et un sticker Wankill Terracid. C'est génial ça. Voilà, donc je pense que les gens font le bon choix même s'ils viennent pas, tu vois. Ils ont bien raison. Finalement, ils sont loin d'être idiots. Bravo à vous. Bon, y a quand même bien deux pecos qui vont rejoindre. Deux, bon, je veux bien faire l'impasse sur deux qui vont pas acheter de produits sur la boutique, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a déjà acheté ses suites et qui a encore un peu d'argent. Hein. Puisque c'est ça, on va faire un V1, on vous laisse le temps d'acheter le jeu. Hein. Allez. Tu vois la tornade qui est juste à côté là? La précipitation. Ah, ouais, DDL a parlé de ça. Vas-y, suis-moi. C'est parti. Ok, directement dans les champs, Interstellar. Attention, il y a UMG. Oh, vite. Je chante trop bien pour être. Voilà, je chante, mais pas aussi bien. Il est super ce jeu. Putain, il est vachement bien, mec. Regarde tes mains. Super tes bras. Attends, les rétros ils fonctionnent? Mais ouais, je te vois dans le rétro. Ok, c'est bon. 11 sur 20. Eh bien, attends. Regarde, ralenti. Je vais te faire augmenter la note. Ralenti. Regarde le champ, les roues elles sont en train de le creuser. Alors, attends, je vais vérifier ça.
Ok, 12 sur 20. Alors attends, excellent. Au nord de la position, vas-y, je descends de mon véhicule parce que si la grenade, j'ai pas un toit panoramique donc. Vous avez entendu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as dit grenade ? Non. Tu vas mourir ! Non, c'est pas vrai. Tu vas mourir, Damien ! Non, je te fais des appels de phare. Je te fais des appels de phare pour dire que tu vas mourir. Non, par contre, en vrai, ça me fait un peu peur. Non, en vrai. Non, ça fait deux fois. Hein. Mais ça va, si c'est que ce mot-là, c'est que c'est vraiment juste une toute petite veine qui a pété, tu vois. Non, non, ça... mais c'est pas vrai en vrai. Tornade. Une tornade. Non, les gens qui font un AVC, ils peuvent plus dire le mot. Genre, c'est foutu. Une tornade. Ah, je sais pas. Une grenade, on la lance. Une tornade, elle apparaît dans le ciel. Quand je fais des blagues comme ça, je suis toujours terrorisé. Il y a des que ce soit vrai. Attends, non, vraiment, par contre, là, je commence à. Non, là, c'est. Y a pas de joke, je suis pas en train de se vraiment, ça commence à me faire stresser. C'est un lapsus. C'est. Ouais, là, c'est de la merde. C'est juste. Ouais, mais justement, tu vois, je pense que c'est rassurant que ce soit le même mot. Mais justement, c'est pas. Quand tu fais un AVC, c'est pas genre les mêmes mots que tu mêles. Je sais pas. En vrai, je suis pas médecin. Je t'ai fait croire que j'étais médecin, mais en vrai, non. Et putain, elles sont où les tornades? Vas-y, attends, ça avance là. Bah ouais, y'a un gros cumulonimbus là. Tornade. Finalement, la tornade c'est pas formé, la tornade. Quand tu fais un AVC, tu confonds des mots et tu t'en souviens pas quand tu te trompes. Non, ça c'est quelqu'un qui veut te faire peur. Non, ouais, non, ça c'est... non, ça c'est pas vrai ça. Les deux mots finissent par nade. Ouais, je sais, mais c'est pas le problème. C'est que je pense vraiment que ceux qui font un AVC, ils confondent les mots justement parce qu'ils se ressemblent. Genre, je pense. Si t'as un AVC, tenez-vous en équipe sur une jambe ou les bras écartés. Sur une jambe, les bras écartés. Attends, si j'ai fait un AVC? Ouais, pour détecter un AVC. Attends, une jambe? Debout sur une jambe, les bras écartés. Et ça fait quoi? Si tu tombes, tu appelles le SAMU. Non, je reste debout là. Il a arrêté sa voiture. Bon, bah c'est bon alors. Je suis en position flamant rose, c'est bon? Oh, y'a un truc qui se forme! Il y a une tornade qui se forme! Ça se forme. Je vais m'arrêter, je vais prendre une photo. Oh, moi aussi. Ah, je vais gâcher ta photo. Il est où? Tu l'auras jamais. Belle mes photos, non? Tu vas pas m'écraser non plus. Vas-y, casse-toi avec ta voiture. Je prends une grosse photo de toi là. Ouais, la tornade. Vas-y, attends, il y a un Algérien qui crie dans ma rue là. C'est normal, ils ont gagné la fois. Il y a même pas de but, et écrit. Bah, il est content depuis 3 jours. Ah oui, c'est même plus long que ça. Ça fait 4 jours, une semaine qu'il fait la fête là. Pourtant, vous avez pas d'Algérien, Vincent. Bah, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait tout ce chemin? Vous êtes perdu? Vous voulez que je vous appelle un Uber? Non, mais vous inquiétez pas, j'ai les stats du match à côté de moi. Si l'Algérie marque, je crierai dans la rue. Hein. Et c'est le but de l'Algérie. Et je vais crier dans ma rue. Je suis dans une game. Ouais, super! C'est bon, j'ai crié. J'ai mis l'ambiance à Vincent. Putain, quand il crie, il fait pas semblant. Hein. Mec, y a mes voisins, ils ont tapé et tout. C'est pas vrai. Non. Ah non, je croyais qu'ils avaient tapé pour les gens dans la rue. Pas fini d'emmerder le monde là! Eh, on est pas en Afrique ici, on est à Vincent, hein! Ça suffit, hein! On a le droit de crier juste la Coupe du Monde ici! C'est la France qui gagne, vous criez, mais sinon, non, hein! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un gros saut. J'ai un impact, putain! Carglass va pas me le remplacer celui-là. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim! J'ai un pet sur le pare-brise! Mais c'est un autre! Mais c'est un putain de grillon qui a pété mon pare-brise encore! Oh non, mon moteur il est endommagé! Oh, attends, à gauche! Attends, qu'est-ce qu'ils prennent en photo là? Qu'est-ce qu'ils font des photos? Eh, mais ils ont un problème de moteur! Vous voulez qu'on vous dépanne? Lilos! Eh, y'a des animaux! Non! Est-ce que les vaches peuvent s'envoler? C'est vrai, y'a des animaux? Oh oui! Y'a des vaches à droite! Oh mec, bah bien sûr qu'elles s'envolent! Tornade à droite, normalement. Ah, je la vois qui se forme, ouais, au ouais, sol. Ouais, juste là, la salope. Vas-y, je descends. Hop, premier sur les news, c'est parti. Hop là, c'est maintenant, les belles photos. Oh. Oh. Je fais des photos. Allô, les Nilos. Hop, la belle photo, et là Ma voiture s'arrête plus de tourner. Je peux plus m'arrêter de tourner. Bah arrête. Jeu de merde, jeu de con, je ne touche à rien. Freine, fais quelque chose. Mais descends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Descends du je véhicule. Je ne peux pas. Mais je fais des drifts. Ah non, la grenade disparaît là. Tornado warning, ignorer. Oh putain, c'est juste là. Juste là. Oh putain, c'est juste là. Oh putain, parfait. En plus. Ah là, les autres ils sont à gauche, ces connards. Copieur de merde. Voilà, une belle photo qui va bien détruire la ville là. Ça c'est bien ça, vas-y. J'espère qu'il y aura un enfant qui va sortir et qui va s'envoler. Eh, ça va sur la maison là. Oh putain. Ça va sur la maison. Oh, ça y est, ça va arriver. Oui, oh. ça tape, j'entends des bruits. Ouais, ça commence à péter des trucs là. Il y a des débris, c'est bon, ça peut faire des belles photos. Oh, les parasols. Oh, on espère qu'il y aura des familles délocalisées. Tain, je me sens investi dans mon travail là. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh putain. T'as comme perdu. Comme dans le film Duel. Nulos. Oh, oh, ils se sont envolés. C'est pas vrai. La voiture s'est retournée, je crois. Je les ai vus se retourner. Il a retenté l'expérience. Tu veux te battre? Tu veux te battre avec mon appareil photo? Tu veux te battre avec mon Kodak? Tu veux faire un petit shooting photo? Vas-y. Voilà, t'es belle. Voilà. Yes, t'es magnifique. Je vais battre, ouais. Oh, t'as la voiture là. Ouais, c'est bon ça. Quand tu te fais écraser par des voitures, oui. C'est bien, vas-y, continue. Ouais, là, comme ça, quand t'es en billet là, ouais, c'est bien. Putain, magnifique. T'as un gilet jaune, vas-y, pose devant le rond-point. Ouais, quand il y a ton mari qui essaie de m'écraser là, ça, j'aime ça, ouais. Yes. Vas-y, dis Macron démission là, je te le dirai, vas-y go. Oh putain.
Bah, c'était un super jeu. Putain, il était vraiment excellent, mec.